Bonjour, bonsoir, salam alaikum, et bien entendu, Azul. Chronique de Jamal B. dit Sidéral. En hommage à toutes les femmes algériennes et à toutes celles qui luttent pour sortir du joug de l'ignorance de certains hommes. Titre d'aujourd'hui. Histoire de deux femmes au pays du Halal. Son nom et prénom dans le journal dans lequel étaient annoncés les résultats du bac. Le patronyme de la famille cité à la radio nasillarde du café de la place comme annonçant la liberté après un joug. Jamila n'en revenait pas. Elle qui avait tant travaillé, veillé, révisé, sué. Elle l'a eu avec la meilleure mention, auréolée des félicitations du jury. Elle en avait les larmes aux yeux, non pas parce qu'elle avait une quelconque appréhension, mais surtout à la pensée d'annoncer cette bonne nouvelle à ses parents, surtout à son père, pour avoir porté haut l'honneur de ses aïeux. Elle qui habitait un petit village, un patelin au fin fond des montagnes, dont la rudesse n'avait de rivale que celle des mentalités des hommes qui s'y trouvaient. Elle qui a refusé l'inculture que les autres ont pris comme défi et arrogance de sa part. Elle qui a bravé toutes les médisances du village en n'écoutant que son savoir et sa culture. Elle qui a osé braver les chemins tortueux au gré des rigueurs hivernales de ces hautes montagnes et les regards inquisiteurs pleins de mépris et d'indignation. Pour aller étudier dans le seul lycée situé à quelques kilomètres du village. Elle a eu ce bac tant désiré, voulu, convoité, telle Juliette rencontrant enfin son Roméo. Ce sésame, symbole de réussite pour la suite, allait lui permettre d'ouvrir toutes les portes du savoir dont elle était friande. Dans le village, les avis allaient bon train. Les jeunes de son âge disaient que cela était bien, mais dommage qu'elle soit une fille. À croire qu'ils refusaient de concevoir que leur mère était d'abord des femmes qui les avaient cajolées quand ils étaient bébés, nus, comme des vers. Les adultes amis de son père estimaient qu'elle en avait assez fait et qu'il était temps qu'elle se consacre à sa véritable vie de femme d'intérieur, telle une esclave condamnée à servir et à subir celui qu'elle a mis au monde, suscitant déjà en elle des douleurs bien avant d'y naître. Les vieux du village étaient scandalisés, ne comprenant pas qu'on puisse laisser une fille de cet âge sortir encore de la maison. Une fille qu'il faut encager à partir d'un certain âge, proie inoffensive, risquant d'aiguiser la convoitise bestiale du prédateur qu'est l'homme. L'hiver et le printemps ayant accompli chacun son rôle, l'été s'attela à effectuer le sien avec dans ses bagages une chaleur suffocante et des vents chauds que même les hauteurs des montagnes ne suffisent pas à atténuer. Un soir, vers la fin d'une partie de domino dont c'était le sport local, la maîtrise des règles du jeu étant de haut niveau chez les hommes, à l'image du haut degré de leur machisme et de leur immense archaïsme, quelques villageois firent ironiquement allusion à Mohand sur les perspectives d'avenir de Jamila. Le sang de Mohand, le père de Jamila, ne fait qu'un tour et d'un geste brusque, envoya valdinguer le tapis et les dominos à travers toute la salle du taudis qui servait de café du village. Ironie du sort, les moqueries des villageois étaient intervenues au moment où Mohand savait qu'il avait partie perdue, puisque le domino double 6 était mort dans sa main, comme ils disent dans leur jargon. Dans sa colère, il ne savait pas à qui en vouloir afin de matérialiser sa haine. Aux villageois, à la partie perdue d'avance à cause du domino double 6 mort dans sa main, ou à sa fille. Arrivé à la maison, il interpella sa femme, mère de Jamila. Femme, femme, où est Jamila? Elle est dans la cuisine. Dis-lui de me rejoindre dans ma chambre. Bien, bien, tout de suite. Ce qu'ils avaient comme maison n'était qu'une succession de constructions anarchiques, horizontales,
composée de réduits servant de chambres où étaient parqués les habitants, juxtaposant un semblant d'écurie où les bêtes de somme et autres animaux utiles à la vie et à la survie y élisaient domicile. Quand le jour démissionnait provisoirement de ses fonctions, laissant sa place vacante à l'obscurité dans la nuit raffole. Jamila, qui écoutait derrière ce qui ressemblait à une porte, se précipita vers son père. « Oui, père, tu as besoin de moi ?»« Non, je n'ai pas besoin de toi. Je vais te parler, tu vas m'écouter et surtout m'obéir. »« Bien, père. » Jamila avait beau scruter les yeux de son père par intermittence dans l'espoir de deviner ses pensées, cela fut en vain, tellement son regard était plein de colère et de fureur. Écoute ce que j'ai à te dire, fille. Ta mère m'a convaincu pour que tu termines tes études au lycée. Maintenant, tu n'as plus rien à apprendre. Tu as eu ton machin, tu dois maintenant te consacrer à ta véritable vie de femme. Savoir entretenir une maison, apprendre à cuisiner, à repasser, à coudre, à faire le ménage. N'oublie pas que tu as appelé à te marier à ton cousin Nourdine, que tu auras à t'en occuper au même titre que les enfants que tu procréeras. C'est ça ton avenir. Mais père, ne dis plus rien. C'est ton père qui te parle, qui t'ordonne. Ton père est un homme qui n'a qu'une parole. On a assez jasé sur nous dans le village par ta faute et celle de ta mère. Tu entends? Il n'est plus question de parler d'études. Ton avenir m'appartient jusqu'au jour où tu te marieras et elle appartiendra à ton époux par la suite. J'espère que j'étais très clair et maintenant hors de ma vue. Jamila se leva péniblement comme si tout le poids du monde s'était soudainement abattu sur ses frêles épaules, quitta la chambre de son père dans une démarche qui lui donnait l'impression d'être dans un cauchemar où l'on se voit tomber dans un vide sidéral sans aucun espoir d'en échapper. Ce soir-là, Jamila ne put s'endormir. Elle ne cessait de ressasser les paroles de son père et de se poser des questions. Qu'ai-je fait de mal? Est-ce un péché que de vouloir combattre son ignorance? Est-ce interdit d'étudier pour apprendre afin de comprendre? Est-ce tout cela m'est défendu parce que je suis une fille? Que faire? Père ne reviendra pas sur sa décision. Il a aussi blâmé maman en l'accusant d'être la cause de ses problèmes avec les villageois. Sans elle, mes études auraient été un simulacre s'arrêtant à la fin du cycle primaire. C'était elle qui s'est ingéniée à convaincre mon père de me laisser poursuivre mes études jusqu'au bac. Moi qui voulais porter haut le nom de mes ancêtres en réussissant mes études, afin que cela serve d'exemple à tous ces villageois et villageoises qui se contentent de s'enclaver en se complaisant dans leur archaïsme, refusant tout changement de peur qu'une femme devienne l'égale de l'homme. On veut me marier contre mon gré, sans mon consentement, moi si jeune, à ce vieux cousin Nourdine qui a le double de mon âge et que tout le monde appelle neuneu, tellement il est idiot et fainéant. Non, c'est injuste, ils n'ont pas le droit. Silencieusement, dans l'obscurité, associée à son état d'âme sombre, de chaudes et abondantes larmes de désespoir coulèrent sur ses joues encore juvéniles. Jamila se retourna sur son matelas. Un peu plus loin, à l'écart dans la chambre, sa mère semblait dormir. L'espace du réduit était assez éclairé par la pleine lune, dont la lueur pénétrait par la fenêtre grande ouverte. Ce soir-là était généreux par sa température assez agréable. Les caresses de certaines nuits d'été au milieu des montagnes, faisant partie des caprices et des secrets de la nature, altruistes parfois, pour apaiser et délester les âmes meurtries de leur misère et autres malheurs pour quelques instants insignifiants au regard de toute une vie semée d'embûches. Soudain, elle crut entendre un bruit. Elle tendit l'oreille et essaya de le percevoir à nouveau. Quelques instants s'écoulèrent quand un autre lui parvint. C'était un gémissement de sa mère. La croyant malade, elle la rejoignit au coin de la chambre. « Maman, tu vas bien ?»« Oui, ma chérie, je vais bien. Va te coucher, tu dois te fatiguer. » Sous la lueur de la pleine lune, Jamila distingua le visage de sa mère et, voulant le prendre entre ses mains par tendresse, sentit sous ses doigts une moiteur émanant de ses joues, les traces de larmes enfantées par une autre détresse.
Mais tu pleures, maman. Pourquoi, c'est père qui t'a... Non, ma fille, ce n'est ni ton père ni les autres. Il ne faut pas leur en vouloir. Surtout pas ton père. Il ne pense qu'à ton bien, ou du moins ce qu'il croit l'être. Ton père aussi est victime, victime des autres, de la société, des croyances interprétées, détournées, et puis même les autres le sont. J'ai toujours été malheureuse et je m'y suis habituée, parce que élevée et éduquée ainsi. Pourtant ce soir je le suis beaucoup plus, parce que toi ma fille, tu l'es aussi. Je n'ai pas eu la chance de faire des études, on n'avait pas le droit à mon époque. À ce moment, notre pays était colonisé par un ennemi extérieur, et tous les sacrifices étaient nécessaires pour le libérer du joug de l'envahisseur. J'ai participé à mon niveau à l'acquisition de cette liberté, en soignant les résistants blessés, à veiller sur eux, à passer des nuits entières à préparer des galettes, après avoir fauché et moulu le blé à longueur de journée, seule denrée accessible en cette période. Et j'ai payé un lourd tribut. Je suis analphabète, illettré, c'est mon invalidité, mon infirmité. Je vous ai porté en mon sein, toi et tes frères, car vous y étiez l'espoir de voir un jour nos enfants émancipés, heureux et studieux, n'ayant besoin de rien dans leur pays devenu libre et indépendant. Aujourd'hui, on est envahi de l'intérieur par un ennemi invisible, omniprésent, et qui est des nôtres. Un ennemi qui a trahi les promesses faites à nos martyrs, un ennemi qui a falsifié notre histoire, un ennemi qui nous a privés du bonheur de vivre libre et heureux, un ennemi qui a spolié nos droits, nos biens et nos richesses, un ennemi qui a encouragé l'obscurantisme et l'archaïsme sous couvert de religion. Il faut qu'on soit fort pour pouvoir le vaincre. Et cette force réside dans l'éducation, l'instruction, les connaissances et le savoir, à l'issue desquels viendra l'union et l'amour de la patrie pour le bannir à jamais. Ne désespère pas, ma chérie. C'est maintenant que tout commence pour toi. Tu dois lutter car ta cause est juste. Je suis avec toi et ce sera ma nouvelle contribution pour combattre ce monstre qui nous a envahis de l'intérieur après avoir éjecté celui venant de l'extérieur. Je ne veux pas que tu deviennes comme moi. Je n'ai plus rien à espérer de la vie, mais toi, tu ne dois pas abdiquer. Va au bout de tes rêves, au bout de tes ambitions, au bout de la vie que tu te choisiras. Maman, ne parle pas ainsi. Je t'aime et je ne veux pas être encore la cause de tes disputes avec père. Écoute, ma chérie, il faut que tu partes. Va à la grande ville. Je te donnerai l'adresse d'une amie à moi qui y vit et qui a eu la chance d'épouser quelqu'un de cultivé. Aujourd'hui, elle est veuve et âgée. Elle a besoin de quelqu'un pour l'aider et lui tenir compagnie. Continue tes études jusqu'au bout. Ne reviens surtout pas avant, car je n'y pourrai plus rien pour toi après. J'ai quelques économies personnelles. Prends-les et pars. Je te demanderai une seule chose. Montre-leur que tu es capable autant que les autres, si ce n'est pas plus, et peut-être ainsi, les yeux des esprits fermés se dessilleraient. Oui, maman chérie, que ta bénédiction me protège, car j'en aurai besoin. Qu'il en soit ainsi, ma fille, et n'oublie pas, va jusqu'au bout de la vie que tu te choisiras, et ne laisse personne t'imposer à croire ce qu'il croit. Au petit matin, une frêle silhouette rasait les murs du village endormi encore. Elle prit l'unique autocar qui passait une fois par semaine à destination de la grande ville. Les premières lueurs du jour trouvèrent Jamila dans le car qui roulait à vive allure, rivalisant avec les idées qui défilaient dans sa tête. Un petit sac, quelques vêtements, les économies de sa mère, une adresse, et dans sa tête, plein de projets, son éducation, son instruction, ses connaissances et son savoir. Quelque part dans un petit village entouré d'hommes et de montagnes comme rempart contre toute émancipation féminine, une ancienne combattante non reconnue mais fière avait repris ses armes en osant libérer sa fille et défier tous les interdits abscons établis par les hommes dont le seul but est d'asservir les femmes. Et les années passèrent. Le père Mohand tomba malade, une maladie que les docteurs des villes voisines ne surent pas diagnostiquer avec exactitude. Le mal empirait de jour en jour. Décision fut prise de l'évacuer en urgence à l'hôpital de la grande ville. Après diagnostic précis, la nécessité d'opérer dans l'immédiat s'imposa.
Toute la famille et même quelques villageois de tout âge étaient là. La vieille mère Courage, à bout, pleurait son chagrin. Elle avait peur de se retrouver seule. Ses fils, exceptionnellement présents ce jour, étaient partis on ne sait où. Jamila n'avait plus donné signe de vie. Et maintenant, ce mari tant aimé par tradition et tant détesté par conviction risquait de la quitter pour toujours. Le père Mohand fut emmené au bloc opératoire. Les chirurgiens de blanc vêtus avec leurs masques d'hygiène sur leur visage s'éclipsèrent derrière les portes coulissantes du bloc opératoire. Ces chirurgiens allaient négocier un sursis de vie avec la mort afin qu'elle l'accorde à ce vieux père de famille. Les portes coulissantes du bloc opératoire se fermèrent dans un léger bruit signifiant le début des négociations entre la faucheuse divine et ceux qui détiennent le savoir. Nul ne saura dire combien dura l'attente. Soudain, les portes coulissantes du bloc opératoire s'ouvrirent, les négociateurs médecins sortirent fatigués, exténués, cela se voyait à leur allure. Négocier un sursis de vie avec la mort est de l'ordre du miracle que seul le savoir permet de réaliser. Tout le monde se leva et resta figé, suspendu aux lèvres des praticiens. La vieille mère Courage n'osa pas le faire. Elle resta assise sur le banc de la salle d'attente, le regard rivé sur les mosaïques du parterre carrelé. Elle aurait aimé, surtout à cet instant, être avec son mari, dans le même bloc, avec le même mal, avec la même opération, avec la même sentence. Elle lui a toujours été reconnaissante d'avoir bravé tout un village jusqu'à un certain point par amour pour elle, afin que Jamila puisse poursuivre ses études jusqu'au bac. Et rien que pour cela, son amour par tradition envers lui est devenu réel et naturel. Sa haine par conviction envers lui s'est dissipée après le départ de Jamila. Quand il a appris ce départ, il n'a plus rien dit à la maison. Dans le village, il prit même la défense de sa fille. Il prit la défense de sa fille Jamila en défiant quiconque prétendre avoir son niveau d'études, quiconque a lu son nom dans un journal, quiconque a entendu son patronyme à la radio. Jamila qui disait « Jamila, c'est ma fille, j'en suis fier. Restez avec votre jeu de domino et gardez-le, le double six. » Gardez-le dans vos mains parce que cela fait une éternité que vous êtes mort au même titre. Sauf que lui peut être rejoué dans une autre partie, mais vous, vous n'avez droit qu'à une seule, votre vie. Non seulement vous ne la vivez pas, mais vous empêchez ceux qui veulent la vivre. Vous vous dites croyant, pratiquant et pieux, alors que vous ne faites que dévaster l'œuvre la plus sublime, la plus vénérée, la plus sacrée auprès de votre prétendu créateur et qui est la vie. Vous êtes qui pour vous substituer à lui? N'est-ce pas là le pire des blasphèmes? À plusieurs reprises, elle a surpris les larmes aux yeux, regardant une vieille photo de Jamila. L'un des chirurgiens à l'allure frêle et fine s'approcha de la mère Courage abattue par le désespoir, prit son visage entre ses deux mains et lui releva la tête. Maman, papa est sauvé. Comme dans un rêve où on refuse l'éveil à la réalité si terne et macabre, la mère Amel absorba de tout son être cette voix si douce, annonçant la rémission de ce père, plus fatigué et rendu malade par les turpitudes et les vicissitudes de ses semblables que par les aléas de la vie, et qui a su libérer son humanité, ses sentiments que la société a voulu immoler en lui et malgré lui. Oui, cette voix ne pouvait être que celle de sa fille chérie. Elle la reconnaîtra parmi 100 000, 1 million d'autres et qu'importe l'écoulement inexorable du temps qui affecte égoïstement les mémoires telles des vagues venant sournoisement défaire par petits ressacs un château de sable trop près du rivage. Fébrilement, de peur d'être déçu, le regard de la mère Amel enveloppa entièrement ce beau visage radieux malgré la fatigue, tel un dieu fier de sa créature, admirant la sublimité de son œuvre. Cet instant parut tellement long qu'il en devint furtif. Le temps à ce moment n'avait aucune notion de mesure, d'emprise ni de signification. Seul l'amour, le bonheur
et l'espoir compter. Jamila, chérie, tu m'as manqué, je t'aime. Je suis fier de toi. Merci. Merci d'avoir tenu ta promesse. Je t'aime. Les deux corps s'entrelacèrent dans une longue étreinte emplie de sentiments qu'une société méprise parce qu'incapable de se regarder devant une glace, de peur d'y voir ces bassesses et ignominies que le père Mohand a su surmonter après avoir été dans les abysses de l'ignorance. De chaudes larmes coulèrent encore sur les joues des deux visages, mais des larmes de joie devant une assistance admirative et émue où régnaient des sentiments de confusion, de mea culpa, de regret et d'excuses. À cet instant et à cet endroit où les existences se font et se défont, la mort avait accordé un sursis à la vie qui, en échange, promit l'espoir. Chronique de Jamel B, dit Sidéral. En hommage à toutes les femmes algériennes et à toutes celles qui luttent pour sortir du joug de certains hommes. Bonne journée, bonne soirée, salam alaikum, et bien entendu, tenmir. Au revoir.